Après le décès de France Gall, ce dimanche 7 janvier, les réactions se multiplient. Hommes politiques, mais aussi amis et anciens compagnons, comme Julien Clerc, prennent la parole pour rendre hommage à une artiste et une femme morte du commun. Mais la chanteuse Véronique Sanson reste pour l'instant aux abonnés absents. Autrefois amies, les deux femmes ne s'adressaient plus la parole depuis de longues années. Certains évoquent une rivalité musicale, d'autres une rivalité amoureuse, puisque toutes deux ont partagé la vie de Michel Berger. En 1972, Véronique Sanson quitte Michel Berger en prétextant aller acheter des cigarettes. En réalité, elle rejoint le célèbre chanteur et guitariste américain Stephen Stills, pour qui elle a eu un coup de foudre. De temps après, Michel Berger rencontre France Gall, qu'il épouse en 1976 et avec qui il aura deux enfants. Véronique Sanson aurait ensuite affirmé que malgré sa rupture avec Michel Berger, elle continuait à communiquer avec lui par chansons interposées. Il lui a notamment écrit le très beau morceau Quelques mots d'amour. Elle aurait aussi taxé d'amour de substitution son mariage avec France Gall. Un tacle que cette dernière n'aurait pas du tout apprécié. Lorsque Véronique Sanson est interrogée à ce sujet en 2012, au micro d'Europe 1, elle admet qu'elle n'adresse plus la parole à son ancien ami, mais sous-entend que leur couple a été monté en épingle par les médias. On n'a pas du tout gardé contact, même si on était très proche à un moment donné. Mais, de ma part en tout cas, ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'on doit avoir peur inconsciemment toutes les deux qu'on nous refiche Michel Berger dans les pattes, explique tel au sujet de France Gall. Et d'ajouter, on a déformé nos propos à dire la rigole, je me disais, mais pourquoi elle dit ça sur moi et elle se disait sans doute la même chose. Alors, véritable tension ou tout médiatique? En tout cas, les deux femmes n'ont jamais retrouvé leur complicité d'antan.